Mais bon, ben, je vois pas trop l'intérêt aussi de ça, mais bon. Bon. Ce qu'on va faire. Bah on va se la faire cette cuisine. On va se faire cette nouvelle cuisine. Toi viens juste là. Que je puisse découvrir les objets qu'il me faut. On va vendre tout notre bois là. Voilà. Comme ça va nous faire de la thune. Ça rapporte quand même, hein. Mine de rien. Celui-là, je viens de gagner... Ouais. Ouais, je viens de gagner 24 000 là, juste en vendant du bois, hein, quand même. Allez! Ben, on va se faire une cuisine. Est-ce qu'on l'a fait ici? Ouais, allez, on va se refaire une cuisine. On peut se la faire là, mais dans l'idée, c'est si on a plus de... Ouah, je peux... Bon, je peux accueillir jusqu'à 20 prisonniers... 20 condamnés à mort, je veux dire, c'est... Et pour le moment, j'en ai toujours pas. Ouais, allez, on va se faire la cuisine à gauche. Allez, et objectif également, faire une condamnation à mort. Allez, on avait commencé par ça, la série. On terminera la série par une condamnation à mort. Ça bouclera la boucle. Et voilà le travail, hein. Bon, allez, donc on va juste attendre d'avoir un condamné à mort. Et en attendant, on va continuer à améliorer, à augmenter les capacités de cellules. Pour la cuisine, j'aurais envie de faire la cuisine ici, en fait. Et... En soi, je suis sûr que la... Attendez, je veux juste vérifier un truc. En vrai, je suis sûr, le problème vient pas de la capacité de la cuisine. En vrai, le problème vient du temps de repas, qui est trop court. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que les prisonniers n'ont pas le temps de tous manger. Alors, je vais arrêter ça également, on le fait à volonté. Parce que c'est vrai que c'est enclenché depuis belle lurette. Et qu'il faudrait arrêter de... Que ça tire à tout va, quand même. Putain, les CCTV, ça fait chier quand même. Bon. On va créer nos zones de cellules. Non, 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 annule, annule, annule. Un petit misclic.
Ils ont pas fini de monter les... Ah, ils ont pas fini de monter les... Les tuyaux ici. Donc on va attendre un petit peu avant de mettre les dernières cellules. Et on va commencer déjà le bloc d'après. Là, mes ouvriers, franchement, ils ont du travail. Clairement, ils n'ont pas le temps de chômer, hein. Bon, et je vais attendre juste qu'ils posent les... Les tuyaux là qui manquent. Mais en vrai, c'est super long là. J'ai l'impression que la prison elle tourne au ralenti là. J'ai l'impression de d'avoir atteint les limites de performance du jeu quand même. On va supprimer ça également. Voilà. Bon. Bah, ça fait quand même une sacrée prison, hein, mine de rien. J'ai environ 55... prisonniers par cellule là, il me semble. J'ai 56 prisonniers par cellule, enfin par bloc, je veux dire. Il me semble que c'est ça. Hein. La dimension, c'est pour faire. Je vais recompter rapidement, mais il me semble que c'est ça. Hein. Non, c'est pas ça. Si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc 26 fois 2, 52. Donc ça fait 52 prisonniers par cellule. Et j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai déploiement, hop. 4 x 3, 12, 13, 14, 15, 16, 16 blocs, enfin presque 16 blocs de fait. Alors, pareil, ça c'est un truc que j'avais fait, vous avez vu que j'ai une cellule en jaune qui est pour la surveillance préventive. C'est parce que j'ai une mission entre deux. Mission qui apparemment est terminée, qui a dû se terminer au début de cet épisode, où j'avais en fait des, au sein de ma cellule, des témoins dans une affaire, fédérale, et en fait je devais protéger ces prisonniers. Donc ces prisonniers normalement ne sont plus là, me semble-t-il. Prisonnier. Ouais, ils sont plus là. Donc je vais pouvoir réattribuer. Donc le déploiement. Pas compliqué. Haute sécurité. 1, 2, 3. Et on va dire qu'on a. Ouais, allez. Ces deux blocs-là, on va les mettre en. C'est ça, ça fait 6. Ouais, 6. Ça fait 6 de haute sécurité, 4 de moyenne sécurité et 4 de sécurité minimale. Sachant qu'ils sont tous logés à la même enseigne en réalité. Voilà quoi. Bon, au niveau intelligence, au niveau des gangs, on en est où? Eh ben, je n'ai pas de gang dans mes cellules, et ça c'est cool.
Et j'ai quasiment plus de gang en fait. J'ai pratiquement plus de soucis de gang. Comme quoi, en fait, mine de rien, c'est la meilleure solution. Pour se débarrasser des gangs, on les colle tous à l'isolement. Et l'affaire est réglée. En gros, c'est ça. C'est la technique bourrin. Mais ça fonctionne. Au niveau des renseignements, il y en a un qui s'est fait griller. De toute façon, pour le moment, on va garder nos prisonniers, on va pas les envoyer à la mort. Parce qu'il y a cette méthode-là hein, que j'utilisais, que j'avais utilisée dans la première partie. Et galère, il y a encore un bouchon ici. Eh, vous êtes cons les mecs, sérieux. Bon, bon, ça va pas être compliqué, ce mur-là. Je vais en démolir une partie. Voilà. J'ai eu deux tentatives d'évasion là. Isolement pour 12 heures. Et lui, je sais pas ce qu'il fout là, il a besoin de dormir. Je sais pas ce qu'il fout là aux deux. Hein, clairement. C'est comme l'autre coup, je vois un prisonnier qui se balade ici. Au calme, pas de soucis, il se balade. Je sais pas par où il est passé, mais il se balade. Le mec avait fait trois tentatives d'évasion avant, mais non, je suis passé. Ok, pas de soucis. On est quand même à 50 jours de vie pour cette prison. Ça va faire 2 mois. Eh ouais. Ouais, j'ai pas assez de... Oula, y'en a qui s'est fait taiser là. Ouh. Parce que vraiment leurs limites de soupçons sont assez bas, mais je referais bien quand même une vérif. Enfin bon. Oh. Je viens de voir un truc, je crois. Ouais. Ah si, non. Non, non. Je pensais qu'il y avait un gang qui était pas... Ouh, ça m'intéresse. Ouais, toi tu m'intéresses. Yann Batty, tu m'intéresses. Genre, le mec direct quoi, je le libère. Au calme, et puis le mec il se met tout de suite à tabasser les... Il retourne en isolement quoi, au calme. Le mec je le libère, il fout la merde, il retourne en isolement. Non mais mec! Putain, tu pouvais pas te tenir tranquille 2 minutes quoi. T'as le mec il est reparti à l'isolement pour 36 heures là. Oh mec! Lui, il lui reste 27 minutes à tirer. Lars. Non, ça peut être sympa de regarder au détail les prisonniers, mais bon. Voilà quoi. Dire,
Il y en a 500 quand même dans ma prison là. J'ai pas envie de regarder toutes les fiches quoi, clairement pas. Ce que je vais faire par contre c'est ça. C'est remettre des lumières. Alors je les mets aléatoirement hein, enfin, aléatoirement sur une ligne. Plus ou moins régulièrement, mais clairement voilà quoi. C'est juste histoire d'avoir un peu d'éclairage au milieu. Non, pas là. Juste histoire voilà qu'on y voyait un peu plus clair quoi. Voilà. Bon, juste voilà. Voilà. Ok, apparemment ils ont posé les trucs qui manquaient, donc c'est parti. Et voilà, deuxième bloc de cellules fait. Je regarde rapidement. Est-ce que je le garde quand même à l'œil? Clairement, ça augmente très peu, hein. Je peux au moins mettre encore deux blocs de cellules sans problème. Après, par contre, il va falloir que je recrée un... Ouh! Oh toi, tu vas des emmerdes. Toi mon gars, ah c'est un légendaire. Toi mon gars, tu vas prendre cher à l'isolement. Tu vas prendre cher. Le mec qui s'attaque aux gardes armés. Des psychopathes en puissance quoi les mecs en plus. Alors destruction, attaque du personnel, meurtre. Ok très bien, ok. Alors là, ok. Et le mec il a tué en prison quoi. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Bon bah... Go isolement mon gars. Bizarre, dommage que dans la fiche on n'ait pas l'isolement actuel, enfin que ce soit pas affiché en cours. Faut être sur le personnage pour le voir. C'est chiant. D'accord, j'ai pas vu que les gardes armés avaient aussi des tasers. Ok. Désolé pour le son de Windows qu'il y a eu, j'ai dû recevoir des mails. C'est Thunderbird, ça. C'est... Ouais, le bruit ça doit être Thunderbird. Ah oui, il manque ça aussi. Faut qu'au milieu, je remette un trait, sinon... sinon ça coince. J'ai l'impression qu'il n'y a pratiquement plus de personnel, là. Il est où? Je suis censé avoir 75 ouvriers, ils sont où? Ils sont encore coincés là-haut? Sont paumés ou comment ça se passe?
sont pas dans la salle de personnel, il y en a qu'un dans la salle de personnel, donc ça va, ça va. Je suis un petit peu amélioré pendant le timelapse, la salle de personnel, hein, vous l'avez vu. Mais bon. Ouais, CCTV, ça marche toujours pas. Bah tu sais quoi? Fuck it. Voilà, ça va se passer comme ça. Avec... des patrouilles de garde armée partout. Voilà. Tac. Tac. Et des chiens. Ça va se passer comme ça. Et puis les putains de CCTV, je vais les virer. Hop. Effacer les connexions. Et démonter. Si ça marche pas, je vire. Petite sauvegarde. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça. Affaire résolue, j'ai plus des clients qui triangles qui clignotent partout. Putain, c'est pas évident à dire ça. Des triangles qui clignotent partout. Voilà. Pas évident à dire ça. Allez-y, essayez chez vous. Si vous avez essayé, je peux rien pour vous. Alors, bon. Hop. Et hop. Paf, ça fait des chocs à pic. Pourquoi j'ai pas de courant ici? Oh, l'explosion a tout cassé. Et j'avais rien vu. Allez. Pareil ici, la porte constamment fermée. Et la salle d'exécution, s'il vous plaît, un peu de décence, quoi. Non, enfin, je veux dire normal. Normal ici. Normal ici. Enfin voilà quoi, un peu de décence quoi. La salle d'exécution, c'est pas un musée, tu le laisses pas ouvert. Hein. Enfin bon. Je veux dire, c'est pas la porte des chiottes quoi. Tu fermes la salle d'exécution quoi. C'est... un peu de décence quoi. Bon. Eh, ça fait une sacrée somme. Hein. Ça fait une sacrée somme. Avec ça, on peut se refaire un bloc de cellules.
du moins en envisager la construction. Il me faut... hop. On va gagner 1000 ans. Il me faut... disons ici. Ouais, allez, je vais faire ça. De toute façon, j'ai l'habitude de faire ça, donc... Hop, je vais mettre des portes de service ici. Et j'ai déjà posé... Tiens, j'ai 36 prisonniers qui arrivent. Et j'ai posé... les murs ici. Voilà. Alors, au niveau du personnel, donc pour le moment j'ai encore des gardiens qui parfois sont dispo, donc c'est l'heure d'être bon. Au niveau garde armée, il me manque deux postes. Et au niveau des chiens, tranquille. Ok, très bien. Donc il me faut juste des gardes armées. Voilà, bon, normalement, il y en a assez. Il y en a assez, et je tombe à 4000 d'income en niveau thune, et j'ai 22000 encore de trésorerie. Ça va, on va dire, ça va, allez, ça va aller. Stop, alors, je vais faire un petit zoom rapide. Et tout de suite, les membres de gang qui viennent d'arriver, les défoncer. Toi, hop, de moyenne sécurité, tu passes tout de suite en très haute sécurité. Et t'as l'isolement permanent. Et toi, très haute sécurité, isolement permanent. Voilà. Faire régler, suivant. Il y en a que deux. Il y en a que deux, mais il y en a un qui se balade là en rouge là. Il y en a quelques-uns qui se baladent. Alors, lui, c'est bon. Ok, lui, c'est un... Je le vois pas, mais il est là. Et j'ai vu qu'il y avait un rouge ici. Ouais, lui, là. Et toi, là. Ça a pas l'air d'être lui. Si, c'est lui. Ça, c'est... ce mec-là, là. Ouais, on sait rien de lui, mais c'est lui. C'est lui. Allez, hop. À l'isolement, tu fais pas chier. Tu me gardes. Je garde ma cellule. Parce que le truc, c'est qu'on peut pas construire là où les gangs prennent le contrôle. Donc, dans leur cellule y compris, quoi. Donc, c'est pour ça, direct, à l'isolement. Et ils ne peuvent pas considérer une cellule d'isolement comme étant un truc de leur territoire. Voilà. Mais pendant le timelapse, ça se voit... Enfin, pendant le timelapse, ça s'est vu arriver un moment, j'ai perdu le contrôle de la cour. La cour était allée aux membres verts, là. Aux gangs verts. Et... voilà, quoi. Et truc marrant,
Et que je trouve un peu dommage qu'on puisse pas un peu changer ça, mais enfin changer ça, aider à changer ça, mais voilà. Par exemple, vous voyez ma salle de sécurité, elle est considérée comme faisant partie du gang gardien, quoi. C'est assez marrant. Et ici, là, les zones comme ça qui peuvent être prises par les gardiens, c'est un point de, enfin, c'est un point d'exclamation. Et dommage qu'on puisse pas vraiment prendre le contrôle, en fait. On peut en reprendre le contrôle dans tous les cas en faisant débarquer toute la prison ici, quoi. Clairement, voilà quoi. Mais après, après c'est tout, quoi. Les libertés conditionnelles, quand même, ça tourne à plein régime. Ce qu'on peut faire, si on avait envie, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est ce truc là, le seuil de libération, on le met à 100%. Et là, en gros, tous nos prisonniers peuvent demander à être libérés. Mais bon, ça va être l'hécatombe et voilà quoi. C'est. Voilà, vous voyez, là j'ai eu masse libération, j'ai mon income qui est en train de partir. Partir en flèche. Je me demande même si je vais pas le réduire. Ça rapporte moins en argent liquide, mais ça me donne plus d'income en fait. Donc ça me permettrait de vivre plus longtemps quand même de le réduire. Ouais, on verra bien. Si jamais mon income venait à chuter vraiment dangereusement, je pense que je réduirais la liberté conditionnelle. Il est 11h, il y a encore de la liberté conditionnelle, quoi. Ça bosse en permanence, en fait. Pas si on peut avoir le enfin la globalité la moyenne actuelle en fait du pourcentage, enfin j'en sais rien, enfin ouais bah si en fait on peut le voir ça dans les programmes, les libérations 7 sont en attente. Et pour le moment, on a 86% de réussite pour la libération, pour les libérations conditionnelles. Pas mal. Ouais, je sais pas si les descendre à 30%, ça vaudrait le coup. T'as la guidance spirituelle quand même 9%. Échec total quoi. L'hygiène 32%. La formation scolaire débutant, il y en a 8 qui ont essayé, 0 ont réussi. Et je suis désolé de le dire, mais les prisonniers, c'est quand même des gros cons. Excusez-moi de dire ça, c'est vrai quoi. La toxicomanie, 51%. Ouais. 1 sur 2, quoi. Bon, les gardiens, voilà, quoi. Même 73%, je trouve ça un peu abusé. Donc, les gardiens aussi sont des gros cons, quand même. Parce que ça devrait être 100% les tasers, quoi. Je veux dire.
Ça vient d'un taser quoi, tu vas pas me faire croire que c'est compliqué. Comment ils ont pu réussir, comment ils ont pu échouer au taser, enfin à la session, enfin à la formation de taser quoi. Je veux dire, les mecs se sont électrocutés eux-mêmes, comment ça se passe? Faut être con, excusez-moi. Sûreté et sécurité à la télé. Putain, c'est vrai, faut que je fasse ça d'abord. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je vais voir pourquoi il y a des salles qui sont plus accessibles. Bon. Sûreté, sécurité, atelier. Bah on va faire ça. Bah oui, on va faire ça. Donc voilà. Si je fais replanifier tous les programmes, ça va être un peu long ça. Voilà. Là les conditionnels. Ouais, voilà, là j'ai les conditionnels qui se font. Allez, ok. Ah oui, je me disais, la nuit il dure vachement longtemps, mais non, en fait, je suis encore en carte d'intelligence. Donc évidemment, ça cloche. Les mecs, quand même, tu te demandes comment ils arrivent à rentrer tout ça, quoi. Comment ils arrivent à rentrer autant d'objets illégaux, quoi. Mais je pense que je vais faire un truc. Je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder et ce que je vais faire, c'est le couloir du milieu. Je vais le comment? Je vais voir pour en faire un bâtiment. Ça me coûterait combien de le convertir en bâtiment? Jusqu'ici déjà, jusqu'à au truc de... Ici là, j'en ai pour 25 000. J'ai 67 000, hein, de... Là, je vois pas la somme d'argent. Je veux juste c'est avoir la vue de combien ça me coûterait. Six mille ou 57 000, je vois pas bien, attendez. Apparemment 57 000. Ouais, ça me coûterait 57 000 de convertir ça. Ouais, ça peut se faire, hein. Allez, on va faire ça. Voilà, la sauvegarde est faite, on va essayer ça. On va essayer ça déjà sur une petite portion. Ok, donc ça supprime le truc du milieu. Est-ce que ça me supprime? Alors, juste un truc, c'est au niveau du... Alors, pas du déploiement de la logistique. Donc on est d'accord, ça me... Ouais, donc on est d'accord que ça ne supprime pas les murs. Donc moi j'ai envie de dire, let's go. Let's go Mario.
Alors ça va ralentir énormément les prisonniers. Ouais, alors avec la sauvegarde ça ralentit. Ça a ralenti les prisonniers parce que le sol a été changé. Mais en somme, voilà quoi. Donc ça m'a coûté quand même 57 000. Ça a viré les lampes ou pas? Non, ça a pas viré les lampes. Ou wow, sauf un, on s'en fiche. Bon. Et j'ai un nouveau truc qui est là. Mais ouais, à l'occasion de transformer le truc central en bâtiment, ça va résoudre des problèmes. Après, faut voir les sas. Les sas, pareil, on va les transformer en... En gros, on va tout transformer en un énorme bâtiment. Simplement. Donc, plus de vue sur l'extérieur. Si, la cour, quoi. Il n'y a que la cour où on aura vu sur l'extérieur. On aura vu en fait sur le ciel, quoi. Je veux dire, c'est la vue sur le ciel, quoi. Oh, je viens de m'apercevoir d'un truc, par contre. Je crois que mes cellules... Alors, elles sont pas déclarées, mais mes cellules, là... Ouais, il y a quelqu'un qui a des barreaux à ses fenêtres... Enfin, qui a une fenêtre. Donc, hop, et hop, et hop. Et paf, ça fait des chocs à pic. Bon, ça donne sur l'intérieur, je pense pas que ça marche, mais en fait, je sais pas si ça marche ou pas. Ouais, bon, celle-là, j'aurais pu les faire pointer vers l'extérieur pour dire voilà, mais bon, on s'en fiche. En fait, je suis sûr qu'en déclarant ça comme cellule, ça va résoudre tous les problèmes. Mais bon. Voilà, on va faire ça. Hop. Cellule. Voilà, faut juste que le jeu détecte. Mais normalement, c'est censé être bon. C'était ça. Maintenant tout est déclaré comme... Ouais, maintenant tout est déclaré comme étant des cellules. Donc... Bon, ici c'est encore relativement bizarre parce que... Ouais, c'est bizarrement fait quand même. Ouais, et donc ça virait la...
Ok, donc ouais, donc en fait fallait déclarer en cellule pour que en fait dire au gardien bah c'est bon, faut que vous surveillez ça quoi. C'est un peu con mais bon voilà, ça marche quoi. Et donc ça c'est pour les death row. C'est pour les couloirs de la mort. Est-ce que j'en ai en attente? S'il vous plaît. Oh, j'ai toujours pas. S'il vous plaît. Donnez-moi un condamné à mort. Je vais ouvrir quand même. Bon, bah toujours pas de prisonnier à mort. Et j'ai mon income qui est négatif. Je suis déficitaire. Ce qui signifie qu'on risque de devoir virer des... du personnel. Et le premier personnel qui va trinquer, c'est le personnel. Ben déjà c'est le personnel extérieur, ça va être les jardiniers. Parce que si je vais tout transformer en bâtiment intérieur, les jardiniers vont plus servir à grand chose. Ils vont servir uniquement à l'arboretum. Et franchement, un seul jardinier va suffire. Donc allez, je vais dire 5. Ouais. Allez. Vu qu'on fait une transition vis-à-vis de ça, les jardiniers. Les jardiniers, vous allez prendre cher, désolé. On doit faire des coupes budgétaires. Non, ça c'est pas du personnel ça. Voilà. Ah, ça fait du monde mine de rien. Donc les jardiniers. On va virer les fatigués en premier. Allez. Combien? Allez, j'en garde 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. À partir de là, ça dégage. Voilà. Ensuite, j'ai des médecins, mais les médecins, c'est utile. En fait, je réfléchis, est-ce que l'avocat, ça vaut le coup de le garder? En fait, est-ce que l'avocat... alors le chef, oui, c'est utile. Mais l'avocat en lui-même, est-ce qu'il est encore utile? On va voir. Pour le moment, l'effectif, enfin, l'income est remonté. Et je pense que... On va changer dans le règlement. Et on va remettre à 33%. On va réduire un peu l'income. Faut, notre prison se vide un peu trop vite. Faut qu'on augmente notre charge de prisonnier. On pourrait être encore plus drastique et dire ouais, réduire à 10%. Hein. Mais bon. À 10%, il n'y a pas beaucoup de prisonniers qui vont pouvoir passer la libération conditionnelle. Bon, de toute façon, à la fin de la nuit, là, je récupère des prisonniers. Mais en gros là, ouais, je pense qu'on a fait le tour du jeu. On a fait clairement le tour du jeu. Là, on n'attend plus rien. Enfin... Ah. On a un bloc de cellules supplémentaires. Ok, on a nos trois blocs de cellules. Je vais faire le quatrième ici. Tant qu'on y est. Comme ça, ce sera fait. Béton. 1, 2, 3,
4. J'ai des espaces de 4 pour pouvoir mettre des patrouilles entre deux à chaque fois. Hein. Enfin, ça vous l'aurez compris certainement. Il y a un souci. 1, 2, 3, 4. Pourquoi c'est moins cher ? Non, c'est bon. En fait, c'est moi qui dis vague. Vague. Ouais, c'est ça, c'est moi qui dis vague. C'est moi qui fatigue. Excusez-moi, je coupe mon micro, faut que j'éternue. Voilà. Donc ça, c'est bon. La grande question que je me pose, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fous là, mon gars? Je sais pas ce que tu fous là, mais je vais te mettre en confinement pendant 6 heures, mon gars. Même pas. Tu vois, j'étais encore plus salaud. Je regarde automatique. Je vais te mettre à l'isolement. Je vais te mettre à l'isolement pendant 6 heures. Les deux se sont accumulés, mais ça fait rien. C'est marrant. Alors, excusez-moi. Alors, ça, en permanence ouverte. Ça, en permanence ouverte. Et ça, il me faut... Ouais, c'est comme ça. Alors, on a ça, on a ça, on a ça. Et donc, on peut déjà faire envisager. Pour le moment, c'est un essai. Pour le moment, c'est un essai. On va essayer sur ces trois blocs-là. Mais... ouais, mais clairement, je pense qu'on va faire ça. Et là, au moins... Quoi? Oh, purée! Oh, la loose! Oh, la loose! Oh, excusez-moi. Oh purée. Mais comment c'est possible? Ça c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu de révolte.
En plus les triangles partout, ça aurait dû me faire tilter. Enfin je sais pas, enfin c'est n'importe quoi moi. Non mais champion du monde toute catégorie de la connerie, hein. Clairement. Hein. Enfin bon. Ouais donc ouais bon ouais. Ouais donc c'est une mauvaise idée parce que voilà bon. Donc résultat, je vais devoir encore refaire un mur ici. Que je démonte.